garde. Ils sont trop nombreux pour pouvoir les buter. Ça va pas de faire un rafut pareil? Oh! Une nouvelle femme de ménage? Oh, mais on m'avait pas prévenu! Ouais, vous pouvez vous redresser, hein! Vous évitez de rester agenouillé! Vous êtes pas très bavarde, vous, hein? Oh, mais qu'il est beau ce tissu! Mais vous avez pas nettoyé le salaire? Non! Mais c'est pas gentil! Pourquoi vous avez ça? Et puis pourquoi vous avez tout dérangé là? Anastasia, à qui parlez-vous? À la nouvelle femme de ménage, mère. Mais enfin, de quoi parlez-vous? La nouvelle femme de ménage, quoi. Mais vous êtes blessée, laissez-moi voir ça, je vais... Mais qu'est-ce que tu fais, espèce de... Anastasia, où êtes-vous? Donne-moi une seule bonne raison de ne pas te tuer immédiatement. Oh, vous venez vraiment de me tutoyer? Tu n'as pas l'air de... Ah. Mais c'est extrêmement impoli. Me tutoyer et s'endormir au milieu de la conversation? Oups. Ah, c'est déjà fini? Mais taisez-vous! Vous êtes vraiment un être terriblement malsain. Mais t'es qui toi? Tout d'abord, je ne vous autorise nullement à me tutoyer. Je me nomme Anastasia Albermiche de la Fustigée à Bunyètre, 13e arrière-petite-fille, du frère de l'arrière-petit-fils, du cousin Germain, de Julius IV, roi de Burgonde ou le Bavard. D'accord, donc toi tu seras rien. Attends, tu as lu tous ces livres pendant que je...
me reste à lire. Tu veux me dire que tu as lu tout ça pendant que je dormais? Bah oui. J'étais consciente pendant combien de temps? Oh, à peine une journée. Ah oui, donc tu me prends pour une conne. Quoi? Mais pourquoi? Votre bibliothèque était à côté, j'ai pas résisté à y jeter un rapide coup d'œil. Mais j'ai pris grand soin de vous lire, vous inquiétez pas. Hein. Et il y en a même de très bons. Tenez, celui-ci par exemple. Magnifique éloge de la vertu contre le tour d'un amoureux. Extrêmement intéressant. Ou encore, celui-ci. Cet essoufflement du sens, du langage, dans une esthétique de la dégénérescence. Avec ce désespoir à la fois absurde et comique. Mais ma terre, il continue à lutter. Tu es bizarre, toi. Mais tu vois des choses intéressantes dans ces livres. Et tu lis très vite. J'ai un travail pour toi. Ah bon? Un travail? Mais je travaille pas, moi. Qu'est-ce que je ferais? Oh, simplement lire pour trouver des personnes qui pourraient m'être utiles. Utile pour quoi? Pour un certain projet pour lequel il me faudrait des coéquipiers un peu particuliers. Ah! Vous avez besoin d'amis? Pas du tout. Je cherche des personnages prêts à tout pour ma vengeance. Les plus grands criminels de la littérature. Des plus grands criminels de la littérature? Mais pourquoi vous voulez savoir ça? Tu poses beaucoup trop de questions. Tu apprendras à perdre ces mauvaises habitudes. Excusez-moi, mais pourquoi utilisez-vous un futur de certitude? Je n'ai pas encore dit oui. C'est sûrement parce que je ne t'ai pas posé de questions. Allez, commence par celui-là. Mais pour qui me prenez-vous? Je ne ferai rien tant que vous ne serez pas expliqué. Et puis, tout d'abord, vous êtes qui? Et nous sommes où? Et surtout, arrêtez de me tutoyer parce que je suis tout de même la 13e arrière. C'est bon. Je vais t'expliquer. De toute façon, il va falloir passer par là. En simple, tu n'existes pas. Tu n'es qu'un personnage issu d'un livre comme un de ceux-là. Tu as été créé par un vieux qui n'avait plus que ça à faire. Et qui devait sûrement être saigné sur les bords, vu le résultat. Ton monde, ce que tu crois être la réalité, n'en est qu'un parmi des milliards qui ont tous été créés par des artistes. Ici, c'est le monde Terre. Et moi, je suis rouge. C'est bizarre comme nom, non? C'est toujours mieux qu'Anastasia de la Bulinette. Oh, je vous permets nullement de m'insulter. Non seulement vous êtes insensé dans vos propos, mais vous l'êtes assez pour penser que je vais accepter de faire quoi que ce soit pour vous. Je refuse votre demande. J'exige que vous me ramenez immédiatement chez moi. Sinon, vous en payerez le prix fort. Tu n'as pas l'air de comprendre. Tu étais peut-être une petite aristocrate prétentieuse et influente là-bas, dans ton monde. Mais ici, tu n'es qu'une créature de papier. Ta disparition serait bien indifférente à un monde où tu n'existes même pas. Tu saisis? Ta vie n'a aucun sens ici. Seul moi peux lui en donner un. J'ai la bonté de t'offrir un travail et tu oserais refuser? Vous êtes complètement liés, je refuse votre demande. J'exige que vous me rameniez immédiatement chez moi. Je vous l'ordonne! Ordonne tant que tu veux. Cela ne changera rien. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi me retenir ici pour lire des livres et trouver des personnages? Ça n'a aucun sens. La vie n'a aucun sens. Tout n'est qu'un mot. Tu n'es qu'un mot. Alors, si ça n'a aucun sens, pourquoi vous me retenez ici? Parce que ça m'amuse. J'ai apporté de quoi vous soigner. Votre blessure est-elle profonde? J'ai eu pire. Avez-vous besoin de mon assistance? Au vu des précédents essais, je pense que je fais encore mieux ça moi-même. Faites, elle, c'est Anastasia, 13e petite fille de personne. Elle a un don pour comprendre la littérature et elle nous aidera à persuader les personnages pour la suite. Par contre, elle est un peu attardée pour le reste. Je vous laisse faire connaissance.
Pourriez-vous cesser de me dévisager ainsi? C'est gênant. Mademoiselle Rouge, cette créature est-elle dotée d'intelligence? Sait-elle parler ou au moins comprend-elle ce que je dis? Ouais. Créature de papier, pourrais-tu cesser de me regarder? Ça ne se fait pas ici. Une créature de papier. Je suis Anastasia. Anastasia Albermich. Nous sommes tous des créatures de papier. Vous n'êtes que la création d'un auteur. C'est lui qui vous a fait même dire ces paroles. C'est lui qui a façonné vos souvenirs, vos pensées, jusqu'à vos doutes à l'instant même. Votre sang est d'encre et votre cœur de papier.